Salut les compagnons, alors j'ai la voix enrouée. On est dimanche 7 mai, je crois que c'est le jour des élections présidentielles en France si je dis pas de bêtises. Je crois que ça va être un truc comme ça, on est complètement à l'ouest. C'est pas grave, revenons-en nos moutons. Aujourd'hui pour nous ça sera pas particulièrement élection mais plutôt rangement. En fait on n'a toujours pas récupéré la voiture, on doit la récupérer demain. Oui, en fait, petite pause pour vous expliquer, en fait, parce que hier, en fait, on n'a pas filmé, mais pour la petite histoire, les connexions que l'autre abruti avait fait à Zacatecas donc il y a plusieurs semaines maintenant ont encore lâché. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné au garage ici à San Miguel de Allende et je lui ai demandé de tout changer, et voilà, de faire quelque chose de propre et quelque chose qui tienne parce qu'il y a l'huile qui était encore en train de couler en dessous. Et voilà, parce que les connexions, c'est pas les bonnes connexions qu'il a mis entre les durite quand il a mis le nouveau radiateur. Donc voilà pour la petite histoire. Sinon, on sera allé au Charco del Ingenio, mais du coup, c'est pas possible. Donc, finalement, on s'est dit qu'on allait profiter de cette journée où il fait plutôt beau, mais pas trop chaud non plus, pour ranger la caravane à fond. C'est ce que j'avais commencé à faire hier, parce que je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. J'ai fait grand ménage dans le placard des enfants. Ça, c'est tous les habits des enfants. Voilà, tous les habits des enfants sont ici. Il y a beaucoup de choses qu'on donne, on jette, etc. Enfin, on va pas jeter, mais on va beaucoup donner. Et j'ai commencé ça hier. Le problème, c'est que Timothy n'était pas très en forme. Bah d'ailleurs. Il n'est toujours pas encore énormément, mais voilà, on va faire avec. Donc du coup, aujourd'hui, on s'est dit que ça allait être. Vous voyez le bazar derrière moi? J'ai vidé les placards. Bon, et du coup, grand ménage, dedans, dehors, on va faire les vitres, on va aspirer, on va nettoyer, on va faire des... Ben, bref, on va vous montrer tout ça. Et ben, c'est parti. C'est parti, Titou. Oups. En fait, hier, j'ai fait du linge, ce qui fait que du coup, c'est pour ça, tout ce qui est ici, c'est tout ce qui est propre et que je dois encore plier, qui n'a pas été fait. Et tout ce qui est là par terre, ça fait partie des habits qu'on garde pas, ou parce que c'est trop petit, ou parce que c'est trop grand, ou parce qu'ils les mettent pas suffisamment pour que ça vaille la peine de les garder. Donc, on va faire des heureux. Et puis, j'ai lavé nos draps aussi. Donc, maintenant, je vais pouvoir faire le lit. Ça sera déjà une bonne base pour... Le départ du rangement de la chambre. Tu es avec moi? En rangeant, je viens de retrouver ça, c'est très drôle, c'était une feuille que j'avais fait, que j'avais plastifiée avec la journée, la routine d'Eleanor en fait dans sa journée. On l'avait fait quand elle était partie chez ma maman et ensuite chez la maman de Seb. Et c'est drôle de voir ça, je vais quand même en garder une des deux parce que c'est dingue comme ça évolue. Et puis j'avais mis plein de petites photos pour illustrer tout ça. Et qu'est-ce qu'elle a changé? Alors pour le linge déjà on a une technique de simplification énorme, c'est qu'on ne repasse rien.
Alors, en faisant du rangement, on vient de retrouver un colis en fait qu'on avait reçu et qu'on avait complètement oublié. On l'a reçu quand on était encore aux États-Unis. Et en fait, quand on a eu le départ et tout ça, on a été précipité par les choses et on n'a pas eu le temps de l'ouvrir parce qu'à ce moment-là, on faisait beaucoup moins de vidéos. Chérie, tu viens ? Oui, j'arrive. Et ce colis, en fait, c'était un colis de chez Terroir Québec qui nous l'avait envoyé. Bon, je vous avoue qu'on avait été curieux, on avait déjà brièvement ouvert, mais on n'avait pas eu le temps de faire la vidéo. Donc du coup, on le réouvre avec vous. Et qu'est-ce qu'on a reçu ? Ma tisane préférée ! La tisane à l'érable qu'on adore. On a reçu des bleuets sauvages, donc c'est des fruits secs, super bien pour nous, c'est super pratique. Ils sont déshydratés, c'est super pratique, c'est bon, ils perdent pas toute leur qualité nutritive. Et ça tombe bien parce qu'on en avait plus. Du thé à l'érable, ça c'est du cassis séché. Hop, du cassis séché. Merci beaucoup Cédric pour cet envoi. Et pour faire des crêpes au sucre d'érable. Il y a la recette derrière, c'est top. Ça sent pas des crêpes. Des guimauves au cassis. Waouh. Moi aussi j'aime ça. Toi aussi t'aimes ça, tu m'étonnes. Et voilà, un carton de moins. Merci beaucoup Cédric de chez Terroir Québec. Si ça vous intéresse, on vous met le lien dans la barre d'infos. Et puis par contre, s'il faut être au Québec pour pouvoir commander, il n'envoie pas Canada. En France. Ouais, au Canada. Mais ça vaut le coup vraiment de regarder et puis c'est un jour, c'est un jour vous passez. Parce que c'est super bon, c'est que des produits du terroir et on est fan. Donc encore merci et puis on va se régaler et puis moi ça me donne envie de me faire un thé. Oui. Bye. Un petit pouce. C'est la vidéo est pas terminée chérie. Et moi aussi j'aime ça. Toi aussi j'aime ça, tu en veux? Super bon. Super bon. Bon, c'est pas tout ça mais on a du rangement nous. Ok, ça avance, maintenant on s'attaque à ce placard. J'ai déjà commencé à sortir les affaires. Là, ici c'est terminé. Hop. Pareil ici. Ça commence à prendre forme. Eh bien c'est 17h30, on commence à voir le bout de ce grand ménage de printemps on va dire. Et bah, ça fait du bien, on a jeté deux gros sacs poubelles et il y a un gros sac de vêtements aussi qu'on va donner, des vêtements des enfants. Et donc voilà, ça fait du bien de faire du tri de temps en temps pour faire de la place. S'alléger. Et pour s'alléger, c'est important qu'on soit dans une maison ou dans une caravane. Parce qu'on accumule toujours un paquet de choses. Puis là, regardez, le placard a été rangé. Donc ouais, c'est bien, non, tout est parfait dans les placards. Ça, c'est, ça fait, la chambre des enfants aussi. Ça fait du bien. Ah ouais, la chambre des enfants. Bah, c'est pas fini encore. Les placards des enfants. Ah, les placards, ok. C'est de papa et maman. Hop. C'est de papa et maman. Tiroir aussi. Tiroir aussi.
les jeux. Ah, t'as mis les jeux dans les tiroirs? Oui. Ok. Ah, ils pourront plus y accéder? Ben si, mais c'est pour leur faire qu'ils tournent avec les jeux, qu'ils jouent pas tout le temps avec les mêmes jeux. Ils en aient moins, pour mieux les apprécier. Bon, en haut, c'est un peu plus le bazar parce qu'on charge les choses qu'on se sert moins souvent. C'est les choses d'hiver sur le dessus. Alors moi, ce que j'aimerais faire aussi aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a des ouvertures ici au plafond. Et jusque là en fait on allait par dessus et on mettait quelque chose entre le... Enfin c'est compliqué à expliquer, mais on mettait quelque chose par dessus mais c'est par l'extérieur en fait. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre ce qu'on avait acheté pour isoler les fenêtres quand on était proche du Canada, là où on a eu froid pendant 15 jours. Qu'on a eu de la neige et je vais mettre ça pour que ça fasse bien sombre en fait pour la nuit parce qu'en fait ça éclaire vraiment beaucoup et du coup les enfants se réveillent trop tôt dès qu'il y a de la lumière. On veut continuer à ce qu'ils dorment jusqu'à des 8-9 heures, c'est bien, c'est bien. La chambre de papa et maman aussi on va montrer? Oui. Ah, on va montrer la chambre de papa et maman. Excusez-moi, je suis en torse nu parce qu'il fait très chaud quand même dans la caravane et puis voilà. Ouais mais la chambre de papa et maman, et papa il a encore des vêtements à ranger qui viennent de sécher, mais en gros voilà, ouais, ça a été rangé. Comparé à tout à l'heure, c'est mieux. Puis voilà, il restera la salle de bain aussi à faire qui est pas faite. Et puis ça sera fini pour aujourd'hui. Moi j'avais dit que j'allais faire quelque chose à l'extérieur, peut-être laver la caravane ou quelque chose comme ça, mais ça va être trop tard, ou peut-être plus tard, ouais, peut-être qu'il va faire frais. Mais non, je peux pas, je dois vous faire le montage vidéo. Ça se termine le défi, ça se termine. Ça va, Superwoman? Oui. Oui. Il y a une robe comme ça. Oui, robe de Superwoman. Oui. Eh bien voilà, la journée est terminée. Bien remplie, puis on est bien content parce que bah, ça fait du bien, c'est du propre. Ouais. Bah, en fait, en temps normal, c'est pas comme vous avez vu sur les images au début. Hein. Ça, c'est juste parce qu'on savait qu'on allait faire le grand ménage, du coup, on a tout mis dehors pour ranger. Mais c'est vrai qu'il y avait de toute façon beaucoup à faire. Il était temps qu'on fasse. Il fallait vider pour trier, donc voilà, c'était. Il était temps qu'on fasse le gros ménage. C'est le moment. Voilà, donc c'est fait, donc je sais pas ce que ça va donner ce vlog, bon on espère que vous avez aimé, bon en tout cas ça fait partie un de nos journées. Un petit pouce. Un petit pouce. Un petit pouce. Un petit pouce. Oui. Et quelle couleur le pouce? Bleu. Donc voilà, un petit pouce bleu elle a dit Eleanor, et un Timothy qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut s'abonner? Tu dis qu'il faut s'abonner? Abonnez-vous. Toi oui, on se retrouve demain. Allez, bye bye. Bye bye, salut. Un petit pouce bleu.